à tous les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grand-mères les tournent le dos, qui me tournent le dos. Les amis, sujet de la vidéo, victoire exceptionnelle de l'OM, voilà, on a gagné contre des tacos gru-gru, contre les Lyonnais sur la vie de ma mère. Moi je me rappelle de Lacazette qui dit quoi après la défaite? Ouais, il y a qu'un seul Olympique, allez faire les Jeux Olympiques, voilà, du lancer de javelot, du lancer de tacos, la vie de ma mère. On a gagné contre, les amis, je suis trop content, il faisait trop les beaux, voilà, la victoire, la vie de ma mère, ici c'est Marseille, mon pote. En plus, les amis, c'est qui a marqué? Voilà, Rod Fanny. Oh, il y a un mec qui s'appelle Rod. Il a marqué contre vous. Voilà, ta grand-mère, c'est Rod Fanny qui Rod. Voilà. Oh, vous avez pas honte sur la vie de ma mère. Vous avez pas honte. Toute l'année, vous nous critiquez. Toute l'année, vous clashez notre défense. Ouais, Sakai. Ouais, Doria. En parlant de Doria, les amis, sur la vie de ma mère. Oh, hier, j'ai rien compris. Voilà. D'habitude, c'est Dorian. Dorian. Voilà. D'habitude, c'est pas un Brésilien. Hier, c'était Roberto Carlos. Ça m'a rappelé l'équipe du Brésil en 98. Voilà, Abidi Pelé, la vie de ma mère, Doria Pelé, c'est un truc de fou. Les amis, c'est plus Doria, voilà, c'est Dora, l'exploratrice. Hier, il a exploré le fion des Lyonnais, voilà. Vous êtes moqué, vous voyez ce qui se passe quand vous moquez des gens, voilà. Retour de flamme, retour de flamme. Équipe de grosse folle, voilà. L'équipe de Lyon, c'est l'équipe B de l'OM, la vie de ma mère. Oh, ils ont qui? Ils ont tous nos anciens joueurs qu'on a virés, voilà. Morvel, voilà. Hnouna, Morvel, sa grand-mère Valbuena, sa grand-mère la géante. Sa grand-mère, la géante qui passe partout. Oh, sur la vie de ma mère, Valboué, Valbuenaz, la vie de ma mère. Oh, le mec, il était là, à chaque fois qu'il tirait un corner, voilà, il y avait un cortège autour de lui. À croire, c'était Rihanna, le mec, une escorte, voilà. Même le président, il a pas autant de sécurité sur lui, voilà. Qu'est-ce t'as cru, frère? Qu'est-ce t'as cru? Le mec, il te met une lucarne contre l'OM, il revient, il fait le type, ouais, mes racines. Et ta grand-mère aussi, ta grand-mère, la racine qui est raciste, voilà. Au moins, c'est clair. Donc, voilà, les amis, victoire exceptionnelle de l'OM, voilà, je tiens à féliciter la défense de l'OM sur la vie de ma mère qui a défendu les valeurs pour une fois, et pour les Lyonnais qui diront ouais, on n'était pas au complet, il n'y avait pas la charrette, il était blessé, nous il n'y avait pas Patrice Evra blessé au bout d'un quart d'heure, Dimitri Payet, c'est plus Dimitri les amis, c'est Dimitraille, voilà, Dimitraillette, c'est une mitraillette, c'est Dimitraillette à lui tout seul, voilà, donc le mec Payet 30 millions, il est rentré à la 95e minute après les prolongations, donc voilà. Payet, il était pas là, Evra, il était pas là. Donc ceux qui vous ont gagné, c'est ceux que vous appelez les chèvres toute l'année, voilà, les chèvres. Peut-être sinon on est des chèvres. Vous êtes qui vous? Vous êtes de la merde de chèvre, voilà, ou du fromage de chèvre. C'est un truc de malade. Donc voilà, ils me font délirer, voilà. Ils savent vendre des classicos avec l'OM. Ouais, l'Olympico. C'est quoi ça déjà? C'est quoi ça l'Olympico? La vie de ma mère. C'est vous êtes inventé une vie avec nous. Votre stade, il est horrible, voilà. Oh, pour chauffer l'ambiance au stade là-bas, au stade Gerland. Oh, c'est un speaker, voilà. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Oh, vous avez pas honte? Vous croyez c'est le cirque Zavata? Vous avez pas honte? À Marseille, y a pas de speaker, voilà, sur la vie de ma mère. Et même tu mets, les gens, ils se démerdent tout seuls. Les gens, ils aiment leur club. Pas besoin de speaker. Vous croyez c'est quoi, frère? Vous croyez c'est quoi une kermesse? Vous êtes déniqués, voilà. Vos grand-mères, les kermesses, qui font les kermesses, voilà. Vous êtes des fous dans vos têtes. Stade pourri. Oh, frère, les Lyonnais, à chaque fois, ils y vont, ils meurent. Voilà, il fait moins 15. Oh, Olas, il fait payer les places 100 euros la place. Il a même pas mis un stade chauffé, voilà. Oh, tu vas là-bas, t'es une engine directe. La première cause de mortalité à Lyon, c'est les mecs qui se gèlent au stade, voilà, c'est la vérité les amis, c'est la vérité, donc voilà, il y a qui encore Cabella, voilà, d'habitude c'est Cabé pas là, il est pas là, la vie de ma mère, il écoute plus du Joule maintenant, voilà, il écoute plus du Joule, il écoute que son cœur, la vie de ma mère, ça fait 2-3 matchs, c'est plus Cabella les amis, c'est CR7, voilà, et je pèse mes mots, j'irai pas qu'il a le même potentiel, voilà, j'irai pas qu'il a le même potentiel que CR7, mais il est en bonne voie sur la vie de ma mère, oh hier, passement jam, si, ça, mais moi ce qui me rend fou les amis, ce qui me rend fou, voilà, c'est qu'on a gagné contre les Lyon, on a gagné contre eux, alors que l'arbitre, il était contre nous, voilà. Moi, je pensais qu'il y avait que Monsieur Tapin, Monsieur Turpin. Non, il y avait son neveu hier, voilà. Un skinhead. Oh, il était là, le type, frère. Le match, il avait même pas commencé. Il a donné un corner pour Lyon. Donc, faut arrêter au bout d'un moment. Tous les arbitres sont contre nous. Voilà, mais on le voit. Quand hier, le stade, il était plein. Sur la vie de ma mère, il était plein. Philippe plein. Gros engin. Un truc de malade, voilà. À Marseille, la différence entre Marseille et Lyon, c'est qu'à Marseille, le 12e homme, c'est les supporters, voilà. À Lyon, le 12e homme, c'est ou l'engine, ou les arbitres, la vie de ma mère. Le 12e homme à Lyon, c'est l'arbitre. Faut dire la vérité. Faut arrêter au bout d'un moment. Depuis que je suis gosse, je me fais voler, voilà. J'en ai marre sur la vie de ma mère. Donc, victoire de l'OM, les amis. Après, y a qui encore? Rolando. Bon, Rolando, sa tête de dinosaure, voilà. Il me saoule.
saoule, mais c'est pas grave. Hier, il a fait un bon match quand même et tout. Rekik, alors Rekik, les amis. Moi, je comprends pas pourquoi ce mec, on l'envoie encore à l'échauffement. Voilà. C'est pas à l'échauffement qu'il faut l'envoyer. C'est en voyage, la vie de ma mère. Tout frais payé de la part de l'OM. Je l'envoie voyager pendant 6 ans. Voilà. Faut plus le voir, ce type. Donc voilà. Rémi Cabella, rien à dire. Lionel Thauvin. À la base, je disais quoi? Thauvin, le même potentiel que Messi. Mais sur la vie de ma mère, Messi, frère. La Messi doit se cacher. Voilà. Il doit avoir les complices de Thauvin. Il doit pas être bien. Thauvin, gros numéro 10. Et sur la vie de ma mère, donnez-lui le brassard. Voilà. Vous êtes des fous, quoi. Vos grand-mères, les brassards qui font que de brasser. Voilà. C'est un truc de fou. Donc, victoire de l'OM. On l'a prouvé qu'avec qu'un seul Olympique. De toute façon, on n'avait pas besoin de ce match. Personne n'aime ce club. Voilà. Oh, tu fais 10 km en dehors de Lyon. Tout le monde les déteste. Faut arrêter au bout d'un moment. Faut arrêter, frère. Regardez même Tabal Fakir. Le mec, il est écœuré de jouer pour Lyon. Ça se voit, il est écœuré, frère. Benzia, il revient chez vous. Il vous met 6 buts, frère. Vous êtes sérieux, quoi? En plus, c'est un club qui respecte rien. Voilà. Benzia, il est revenu miskin. Oh, mes frères et tout. Vous l'avez sifflé. Vous l'avez insulté. Alors qu'il est prêté dans un club de Détroit. Voilà. Vous êtes pas des supporters. Vous êtes des supportrices. Et en parlant de supporters, voilà. Je vais parler des ultras de Lyon. Voilà. Les bad gods. Ouais, les bad gods. La vie de ma mère. Des gods géants, les types. Des gods géants. Faut arrêter. Vous avez pas de chant. Pas d'état d'âme. Pas d'histoire. Sur la vie de ma mère, faut arrêter. Faut arrêter de s'inventer les ultras des hooligans. Vous êtes des hooligouines. Voilà, des hooligouines.